grand chose à dire ce matin. J'estime que j'ai assez parlé les jours précédents. Cependant, je voudrais rappeler une chose. Nous venons de procéder à la montée des couleurs. Si nous avons pu le faire ici, à Ouagadougou, dans la paix, c'est parce qu'il y en a qui ont accepté de sacrifier leur vie pour se battre pour nous. Et donc, pour cela, je voulais que nous ayons toujours une pensée pour ceux qui sont tombés dans la bataille de Djibo, au nom de la patrie. Une pensée également pour les victimes. Et que nous sachions que cette guerre qui nous est livrée a des soutiens au-delà de nos frontières. Comment pouvez-vous expliquer 3000 personnes environ, armées de motos, de véhicules, d'armes blindées, de munitions, de carburant pour rouler. Où ont-ils trouvé tout cela? Dans le désert. Si ils n'avaient pas bénéficié de soutien extérieur. Donc il faut que nous sachions que il y a des puissances extra-africaines, tout comme il y a des puissances africaines qui soutiennent ceux qui nous combattent là. Nous devons avoir ça en vue pour identifier nos ennemis et nos amis. Alors donc, tenons-nous fermes, les rangs serrés, pour qu'on puisse extirper ce mal-là le plus tôt possible. Et sur ce plan, le gouvernement de la transition y est engagé. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est rappeler chacun, n'est-ce pas, à l'esprit de patriotisme et de sacrifice pour la construction de notre patrie. Je vous remercie.